La suite des aventures de Daryl Dixon, hashtag 1. Hein. Ça sera. On va essayer de faire. Pour l'instant, j'essaie de m'habituer au roleplay de GTA et tout. Mais par la suite, on fera peut-être une petite série sympathique et tout. Ça peut être sympa de faire une série sur GTA. Voilà. Ah, mon vieux. Mon véhicule, c'est cool. Hop. Donc on va faire une petite série sur GTA et tout, ça serait sympa d'en faire une. D'en faire une dans les mois à venir. Donc je sais pas, on appellera la série Les Aventures de Daryl Dixon ou je sais pas, on verra bien. On verra bien ce que je peux faire. Comme titre. Donc là, on a postulé pour l'unicorne. Donc on verra ensuite ce que ça donne. Donc là, on va aller se faire de la farine. Si je trouve, vous voulez, le champ de blé déjà. Je crois qu'il y a plus en hauteur ou plus. Je sais pas où, champ de blé. Ah bah voilà, il était largement caché. Hop, voilà. Donc on va aller faire ça, on va aller faire du blé et puis ben voilà, on va partir let's go pour un live. Donc on est de retour. Donc voilà. Donc apparemment il y a Skyrock. Oh là 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 là, les accidents. Le mec du jour au lendemain, il aura envie de bouffer le cul, tu vois. Moi, j'ai tout appris avec les putes, c'est le message.
Voilà, il y a la faute d'eau maintenant. Putain, on va aller chauffeur de dimanche ici. Hein. Tangent de chauffeur, tangent de ces putains de chauffeurs de merde. Ils savent pas rouler. Qu'ils ont des jeunes permis, là. Putain, c'est pas possible. Par contre, la pompe station. Alors, la station service, c'est où? Attends, on va faire le plein peut-être. On va faire le plein peut-être. Ça serait une bonne idée, non? Parce que... Après, je sais pas si ça coûte cher ou pas, mais... Parce que si j'ai pas assez pour faire des allers-retours ou quoi, ça risque d'être chaud. Ouais, sur le serveur, il y a Fun Radio, il y a Skyrock, il y a un peu de tout. Il y a Fun Radio. Bon, bonjour Karine, ça va? Tranquille? Bien? M6. M6. Poussé au milieu de ma chambre. C'est votre père le problème. À la semaine prochaine, monsieur Cadu. Mieux vaut ne pas traîner. Avec EasyJet, c'est jusqu'à 1 litre. Sur 30 000 sièges en Europe jusqu'au 31 janvier. Réservez vite sur easyjet.com. Valable sur certaines destinations pour des vols entre le 14 février et le 5 juin 2019. Conditions sur visite. Alors, champ de blé. Bah, par contre, on va se mettre. Le but de Cavani fait encore la différence, mais. Putain, c'est ma bonne Jack.
5. Ah, monsieur, ça va? Qu'est-ce que vous faites à manger en plein milieu de la route là? Vous allez me. Vous êtes. Il est dans le coma, lui, quoi? Ouais, bizarre, hein. Très beau genre. Bon, on perturber la voiture. Genre, oh. Attends, je conduis comme un as là ce soir. Le futur Paul Walker, lol. Bon, par contre, avec son bolide, il va falloir que. Faut pas les toucher. Elle est pas pilotable, hein, la caisse. Alors, on arrive bientôt au champ de pêche, au champ de pêche, au champ de. Par contre, ça patine pas mal sur. Alors, par contre, j'essaie de verrouiller ma caisse dans le coin. Me rappeler où je l'ai mise. Alors, attends, est-ce qu'il faut être à l'intérieur du véhicule pour verrouiller ou pas? Bon, on va commencer notre boulot là, hein?
Parce que sinon, on va jamais se faire de la thune. Parce que là, la preuve, regardez, je suis pauvre là. J'ai même pas une machine et j'ai même pas un salaire complet, quoi. C'est dégueulasse. Donc on va se faire un peu de thune. Hein? Ce serait une bonne idée. Oh, putain, son camion, lui, il a perdu sa remorque, je crois. Et en plus, c'est tout dégueulasse, ce camion. Putain, on dirait qu'il y a des mouches. Bon. Ah, les camions ici, ils sont ch... Je vais encore reculer un peu. Ouais, ils sont chauds leurs virages ici. Laisse tomber. C'est, je sais pas c'est combien par combien. Par contre, c'est ça, on peut l'enlever à chaque fois que déposer 30 blés. Ouais, mais là, vous allez voir que je vais essayer de... Ne pas perdre ma remorque et tout, de bien conduire. J'aurais pas de la peine à chaque fois que je conduis ce camion. Le patron, il est pas content, mais bon. Donc il faut que je me rappelle. Je crois que j'ai la main derrière. Je crois que ça va être un salon.
ça va être long à remplir, mais bon. Alors, si, bien sûr. Si, bien sûr, là, j'ai postulé pour le... Donc, je t'explique un petit peu mon RP final. Mon RP final, c'est très simple, c'est d'être patron de l'Ulicorne. Donc, j'ai postulé dessus, c'est très simple, c'est juste pourquoi j'ai postulé pour être patron. C'est parce que j'ai l'intention d'organiser plusieurs events à l'Ulicorne. Donc je suis avec d'autres personnes qui gèrent d'autres boîtes. Donc voilà, donc je peux faire des salons privés pour eux, etc. Avec des filles, avec de l'alcool, plein de choses comme ça. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et voilà, mon but est de prendre, on va dire un peu de contrôle, une partie du contrôle de la ville. Mon but c'est ça. Mon but c'est de prendre le contrôle d'une partie de la ville. Voilà. Tout simplement, la grosse base de mon roleplay. Donc voilà. Donc là, ça est en train de se construire petit à petit. Ça est en train de se mettre en place. J'ai tout juste de débuter sur GTA. Donc voilà. Désolé si je vois pas les messages tout de suite. Effectivement, je réponds après. C'est que bah, j'ai qu'un seul écran. Bon, c'est vraiment très embêtant d'avoir un seul écran. Pour ça, j'ai bien l'intention de m'en prendre. C'est pour ça que j'ai l'intention de prendre encore peut-être deux écrans pour mettre à côté, prendre un petit meuble et puis le foutre sur le côté pour mettre ma box internet. Et voilà, hein. Après, je vais changer de boîtier, je vais changer de carte graphique, je vais rajouter des RAM et changer d'alimentation, ça sera bon. On sera pareil. Mais voilà, c'est très très embêtant. Là, je suis désolé, je reprends le stream, donc j'ai perdu un peu l'habitude de faire des streams. Mais en soi, j'essaie de d'interagir assez souvent avec vous et la communauté. Bon, j'espère avoir répondu à tes questions @... Ah, il veut pas fonctionner l'@... Ah si, c'est vrai, je sais pas. Hein. J'espère avoir répondu à tes questions, Carbon. Parfait. Ok. Good. Donc voilà, j'espère avoir répondu au maximum à tes questions. Après, le but, c'est de... et pour moi, en roleplay, le but final, là, je m'habitue au roleplay, je m'habitue un peu aux touches de GTA, etc. Parce que c'est vrai que moi, je suis un ancien joueur d'Arma. Donc c'est un peu compliqué de prendre le système de jeu de GTA d'un coup, surtout que je connais pas toutes les touches, j'ai pas tout exploré, j'en apprends un peu de jour en jour. Donc voilà. Mais mon but c'est vraiment de créer une série roleplay. Donc j'ai créé une fiche RP, etc. Je vais voir ça avec un graphiste pour qu'il me le fasse et tout, tranquille. Voilà, créer une fiche RP, tac. Voilà, il n'y a pas de souci sur ce point de vue-là. Créer une fiche RP, triquer des trucs comme ça. Créer un petit trailer, pourquoi pas sympathique. Voilà, créer des petits trucs comme ça qui peuvent être sympatoches. Bon, après, bien sûr, j'ai pas de voix féminine donc. Au cas où qu'il y aurait une fille dans le thriller, je peux pas le faire.
J'ai pas de voix de masculine, j'ai pas de voix de féminine à mes côtés. Bon, ça c'est très dur de faire une série roleplay. Alors, on va voir comment qu'on peut faire ça. Comment on peut faire ça, et puis voilà. Ça peut être sympa le concept. Merci Carbone, c'est gentil. Donc là, on fait du blé tranquille, hein. On est fermier, on récolte son blé. Ouais. Bon, bah, on l'a mangé, voilà. On remplit le camion, en espérant cette fois que le patron ne va pas gronder sur. Parce qu'en des fois, j'ai tendance un peu, on va dire, à faire un petit crédit, tu vois, un petit crédit. Quand je fournis, j'ai l'intention de faire un petit crédit, tu vois, tranquille, il est tranquille, tu vois. Mais bon, des fois, je perds un peu de marchandises et tout, mais bon, voilà. J'espère que le patron, il sera pas mécontent et tout. Après, j'ai un petit peu de perte, hein, mais ça va. Des fois, je fais crédit et tout, hein, un petit peu. Hein. Après, voilà. Après, voilà, après il peut avoir peux être amené à faire d'autres personnages etc. dans l'avenir, hein. Il n'y a pas de souci sur ce point de vue-là. Je peux modifier ma voix comme bon me semble. Sauf les voix féminines qui ça va être vraiment compliqué de faire un personnage féminin. Ça, c'est pas possible. Les personnages féminins. Ouais, ça. Bah, après, sur le Discord Eden Life, après, il y a des choses qui sont intéressantes, hein, parce que je joue sur Eden Life. Il y a des choses qui sont intéressantes et tout, donc voilà. Mais l'unicorne, pour l'instant, j'ai postulé. S'ils me répondent pas, je vais renvoyer un CV plus complet, une candidature plus complète et tout. Je vais vraiment pousser le vice et tout. Prendre vraiment une photo de mon personnage, faire vraiment un CV. Vraiment comme si tu postulais vraiment IRL dans une boîte. Je vais vraiment faire ça et tout, tranquille, bah après il faut que je vois, parce que j'ai quelqu'un, tu vois, je connais quelqu'un qui est dans l'immobilier, hein. Voilà, je connais quelqu'un qui est dans l'immobilier, donc du coup je vais peut-être pouvoir m'arranger pour avoir une adresse, pas, voilà, avoir un logement et tout, parce que voilà, quoi. Pour l'instant, j'ai pas trop de logement, quoi. Le principal, c'est d'avoir un logement. Donc là, je me fais un peu de sous, tranquille, je vais monter un peu au niveau des sous, pour être bien. Et puis, je vais voir avec mon pote pour voir s'il peut pas me loger quelque part, pour voir s'il n'y a pas un logement pas trop cher et tout, tu vois. Après, un logement potable, quoi. Un logement potable, voilà. J'ai pas envie de vivre dans une caravane, quoi. Je veux vivre. Là pour l'instant, je suis dans la rue quoi, je fais style que j'ai une maison, mais bon, voilà quoi. Une bonne douche, ça me ferait pas de tort un coup de temps en temps quoi, parce que ça commence à puer en dessous des aisselles. Moi, c'est t'as quoi tuer un être humain quoi. T'as mangé ça pue. Après les cheveux, il faudrait que je passe au coiffeur pour changer un peu la coupe là, parce que elle fait un pépère. Ma tête, ouais. Et je ressemble pas à grand chose, quoi. Y a juste mes fringues qui sont un peu plus correctes, que j'ai pas lavé depuis un temps.
Mais t'as vu ce que je t'ai envoyé sur Discord? Attends. Sur lequel de... Attends, de quoi sur Discord? Oui. Ah ouais, d'accord, donc ok. Ouais, ça peut le faire en entendant quand j'ai la boîte du licorne, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Attends. Ah, par contre, j'écris en anglais. J'écris en anglais, donc ça va être un peu compliqué. J'écris avec le clavier anglais. Ouais, y a pas de souci, je ferai ça, t'inquiète et tout. Y a pas de souci. Ouais, y a peut-être plein de métiers et tout qui peuvent être pas mal, et je vais y réfléchir. Bon, je sais, là, je parle un peu tout seul, hein, y a personne à côté de moi, mais voilà, je parle avec ma conscience. Dans mes penchés. Ah, vous avez atteint le maximum de blé? Ah non, ça c'est le test de tout à l'heure. On est d'accord. Bon, 126. Par contre, j'ai pas fait ton bébé. Non. Bon, après, c'est pas réellement un champ de blé. Quand je reste dans les légales, je reste pas dans, je vais pas dans les légales. Parce que les légales, après, si tu me fais gonner et tout. Tu fais de la tort et tout, après t'as un casier judiciaire pour trouver du boulot, c'est la merde. Comment on dirait, c'est la mer noire. Hein. On va tête éventée. Bon, allez. Encore on le charge encore un peu. Bon, après, il faut pas le faire déborder parce que si on fait le déborder, c'est de la perte. Donc, on va tête éviter de faire de la perte. Déjà, c'est un peu compliqué de récolter du blé. Alors, si en plus de ça, on commence à faire de la perte, ça va être de la merde. Ça va être pas bon. Pas la chaussée. Après, pour ceux qui sont présents sur le live, n'hésitez pas à aller mettre un mettre un like sur la page Facebook, me suivre, aller follow, me follow sur Twitter, et puis me mettre un petit, me suivre sur aussi YouTube, hein. Bien entendu, j'ai une chaîne YouTube, voilà, donc les lives là seront, je vais faire des montages vidéo dès que j'ai le temps, et je ferai des épis, j'ai essayé de réduire les lives de 3 heures, en des vidéos assez potables pour que vous ayez une série à peu près une bonne petite série de 45 minutes quoi, des épisodes on va dire. Voilà, on peut créer plusieurs épisodes. Voilà, ça peut être assez sympa et tout, voilà. Donc pour ceux qui le savent pas, c'est en dessous du live. Vous avez Facebook, Twitter, YouTube, n'hésitez pas à me suivre dessus, y a pas de souci. Et aussi, n'hésitez pas à aller check mon site et puis aller vous inscrire dessus. Voilà, bien entendu. Peut-être j'ai l'idée d'ouvrir une boutique et tout, mais bon, ça il faut des sponsors, il faut un peu de tout, il faut être bien connu et tout, donc ça on verra plus tard. Mais voilà, si vraiment tout se passe bien, j'arrive à percer un peu dans le Twitch game. Il y a possibilité qu'il y ait une boutique, etc., avec des sponsors et tout, et puis peut-être voir pour créer un logo assez sympathique. À réfléchir. Bon, ok, donc là, le vol de véhicule de...
c'est F. Hop, on monte. Tac. Allez, on va sur la route. Bon, là, il fait un peu noir, donc on est un peu vigilant, hein, parce que les chauffeurs du dimanche, voilà, hein, on les connaît, hein. C'est champ de blé ferme. C'est farine, il me semble. Bon, allez. La route va être longue. Allez, on reconduit tout doucement, on essaie de pas perdre la remorque. Ah, par contre, le camion qui est là. Ouais, salut gros. Ouais, gros, ça va? Ça va et toi? Dis-moi, là je suis en train de faire du blé et tout, tu voulais m'appeler pourquoi? C'est pour moi ça, ce que tu fais là? Bah, là je suis au champ de blé, là je me dirige vers la farine pour aller vendre. Voilà, ok, ça marche. D'ailleurs, j'ai peut-être une proposition pour travailler en agent de sécurité. Tu sais, avec qui? Ben avec directement avec monsieur le président. Oh là là, tu vois, c'est des bifetons avant l'heure. Ouais, ouais, je connais, je connais. C'est de la monnaie qui tombe du ciel. Tu vois, c'est Jésus. Ouais, ouais. Tu vois, c'est Dieu qui m'a écouté, il a écouté ma prière, il fait. Oh, lui, on va lui donner un boulot. Après, tu pourrais plus être le patron. Hein. Après, ça dépend, peut-être que je peux faire les deux jobs, tu vois. Ça dépend si le président y a besoin de moi. Ça va être tendu de gérer tes heures de sécu et tes heures de... Ah ouais, ça risque d'être tendu, ça. Après, ça va voir, hein. Ça va, franchement, ça va voir, on verra bien. Je vais y réfléchir. Mais en tout cas, l'unicorne, ça m'intéresse à fond, donc tu sais... avec les meufs qui se baladent à poil et tout, tu vois, c'est ça, réfléchis bien. Ouais, on va réfléchir. Je vais réfléchir. Toi, t'es où là du coup? Bah, là, je suis en ville. Là. Hein, t'es en ville? Tu fais quoi en ville? Je sais pas, là, je tombe dans la ville, je sais pas quoi faire. Si tu sais pas quoi faire, bah écoute, je sais pas pour toi. Hein. Après, moi, là, je vais à la farine, donc je vais me faire un peu de blé, et puis on verra bien. Hein. Ok, ok, ça marche. Bah, écoute, si t'as besoin de moi, appelle-moi et tout. Si t'as un coup, se faire un peu de pognon, voilà, quoi. Bah, je t'aurais bien dit si tu voulais faire un peu d'illégal, mais est-ce que ça te tenterait? Ben, tu sais, je vais faire ma cargaison de farine et puis on en parle après. Ok, bah tiens-moi au courant. Ouais, pas de soucis. Tu veux... Je te rejoins à la farine, si tu veux. Ben, au pire, ouais, on peut faire la vente ensemble et puis voilà, ça te fera un peu d'argent et puis moi, ça me fera de l'argent aussi, quoi. Ah, mais moi, j'ai pas besoin d'argent. Ouais, bah au pire, je te rejoins après la vente, au pire, c'est pas un souci. On fait ça comme ça, ça marche? Je vends et tout. Je vends et tout, je rejoins à la farine pour. Ok, pas de souci. À toutes. À toutes. Allez, j'ai remis de téléphone au volant, je viens de préciser. Oh putain. Moi, sa mère, comment j'ai pris le virage. Voilà, rien, rien. Bon, par contre, le chauffeur de devant, là, il peut pas accélérer un peu. Histoire d'appuyer un peu sur le champignon, là. Hein, chauffeur, c'était champion, appuie sur le champignon, mais là, il faut vraiment appuyer, hein. Eh, hey, Mimi, on appuie, hein. Allez! On appuie! Parce que là, je roule à 40 km/h, là, putain, j'ai l'impression d'être une tortue, quoi. Allez, grand-mère, putain, accélère! Tu connais pas la pédale d'accélérateur ou quoi? Va falloir que je te prenne à conduire? Putain, c'est pas possible, c'est mémé!
Grand-mère 70 ans, va. Vieille bique. Bon, j'étais tête à mes pépés aussi. Hein. Voilà, par contre, ici, c'est assez serré. Donc, ici, il faut vraiment braquer à fond. Allez. Attends, par contre, ça passe ou pas? Attends, est-ce que ça passe? Est-ce que ça va être tendu de screen de passer ou est-ce que c'est. Ou est-ce que c'est bon, je passe? Parce que, putain, ici, le passage, il est tendax, mon gars. Il est tendu du string, mon gars. Il faut manœuvrer à mort. Putain. Oh merde, j'ai touché. Bon, bah, désolé la lampe, hein. Excuse-moi. Eh merde. Bon, bah, on va modifier le chemin. On modifie le chemin, bon, allez, on modifie le chemin. Franchement, dans tous les cas, ça revient même. C'est ici. Alors, on va aller par là. Attends, par contre, la visibilité. Alors. Un pipe. Un pipe, ça veut dire. Non, 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 il faut pas le. Non, non, n'aie pas l'esprit mal tourné, toi. Et oh. Je n'ai rien à dire, l'esprit mal tourné, c'est mal. C'est mal sain, l'esprit mal tourné. Je l'ai déjà dit. Bordel. Ouais. Alors. Par contre, je peux plus reprendre de B sur moi, c'est ça? Je crois que je suis au maximum du blé. Oh putain! Conduis mono, conduis mono, tranquille, tranquille, détendu. Hein. Oh putain, il y a des jambes à travers du. Alors. Ah, salut gros. Ah ouais, bah t'as vu, je suis fermier, hein, donc c'est ici que je travaille et tout. Hein. Je vais chercher le blé, je le ramène ici, je le transforme en farine, et en farine, après la farine, je la mets dans le camion et je vais la vendre au prix vendu, quoi. Prix à l'unité. Je crois que c'est 14$, je crois. Des fois ça augmente, des fois ça baisse. On sait jamais, on va essayer vendeur à la con. Alors, attends. Elle. Retirer. Je retire. Je crois que c'est. C'est combien qu'on peut en retirer? 40, je crois. Ah, bon, ben, attends. Elle. Déposer. Là, je peux pas ramasser, je suis pas de métier. Ah bah ouais, il faut être. Ouais, qu'est-ce que tu fais sur mon camion là? Descends. Tu vas me casser mon camion, mec. Ah bah non, mais là, tu vas tomber là, tu vas te faire mal là. Aïe aïe aïe, ouais, tcha, t'as du bol. Tu serais tombé, tu t'aurais fait super mal. Ouais, range ton gun, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me. Mais t'es pas bien, toi, je te jure. Mais range ton gun. Putain, c'est pas possible, mais va. Fait flipper ce mec. Tu me fais flipper, mec, hein. Sérieusement. Oh, merci pour le follow, peace, tchuz. Merci à toi, BTX78000. Merci à toi, bienvenue, welcome. Je te laisse partir. J'ai pas compris, désolé. J'ai pas compris, désolé.
Tu me donnes ta cargaison et je te laisse partir. Comment ça, tu... Ouais, vous êtes pas bien, monsieur. Pourquoi vous voulez que ma cargaison? Mais monsieur, c'est mon pactole, c'est mon blé. Vous ne savez pas, c'est mon argent, monsieur. C'est ce On que je tient me à fais. faire du pain. Ouais, mais monsieur, vous allez. Monsieur, pourquoi vous me braquez et tout, là? Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, mais monsieur, c'est mon patron qui va pas être content, monsieur. Je vais me faire virer, mais pensez à moi, à ma vie, pensez. Mais monsieur, moi, en plus, monsieur, il est parti de là-bas, t'entends, oui, vrai. S'il me braque, je suis dans la merde. Oh merde, putain. J'ai pas géré. Ah, j'ai mal le truc. Ouais, j'ai super mal le truc parce que. Voilà. Ah, attends, déposer. Genre, dépose. Prendre deux. Tac. On récupère 40. Monsieur, vous voulez vraiment ma cargaison? Vous n'êtes rien? Putain, est-ce encore une blague de mauvais goût? Putain, je suis pas. J'ai karma, il est mauvais sur. Ça, il est mauvais quoi, j'ai plus de sous, j'ai plus rien, je suis à la dèche. Le mec, il... putain, mais sérieusement quoi. N'hésitez pas à interagir dans le chat avec moi si vous voulez savoir plus d'informations et tout. Attends, hop, déposer 31. Bon, je perds un peu, mais bon, ça c'est pas grave. Au pire, attends, je peux le faire d'ici. Je suis con. Il suffit que j'avance un peu le camion et puis c'est bon. Par contre, il est pas parti le monsieur là. Putain, je sens qu'il a appelé un collègue à lui, il a appelé un pote à lui et tout là. Je sens que je vais me faire niquer encore une fois. Ah, bonjour monsieur. Toi, avoir quoi comme véhicule? Moi, avoir quoi comme véhicule? Mais mon véhicule, il est au champ de blé. T'as quoi dedans? Y a rien. Mais il n'y a rien dedans. Il est rapide ou quoi? Mais il est rapide, mais pas du tout. C'est un véhicule à 21 000. Tu veux qu'il est rapide comment, s'il te plaît? Ok. Je sais même pas combien de kilomètres il monte, je n'ai même pas poussé. Tu sais, je suis un conducteur, je vais faire le code dans la route. Hein. Parce que si tu veux faire de la drogue, c'est un bon véhicule. La drogue, c'est-à-dire hein, quelle drogue? Peux pas t'en parler comme ça. Ah,
Ah, parce que je dois te suivre à l'aveugle en plus. Ouais, non, non, c'est pas possible. Bah, attends, je finis mon cargaison et on en parle après, hein, parce que là, il faut que je vende tout ça. Hein. Mon patron, depuis tout à l'heure, je reçois des SMS de lui, il est pas content, donc il faut vraiment que je termine cette cargaison. Oui, en plus, on va me remettre dans le positif et tout. Ouais. On va peut-être éviter, mais bon, le business qu'il va proposer, ça va me rapporter plus, etc. Donc voilà, il faut que je le termine assez rapidement. Déposer. Farine. 30. Tac. Retirer. 40. Voilà, je perds un peu de cargaison, vous voyez, je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude en fait, donc il faut que j'essaye de prendre l'habitude de déposer, etc. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu chaud à faire et tout. Voilà. Ah bon, GG à toi, Carbone. GG, GG pour le level. Déposer. Bon, ça va, je perds pas tellement de kilos en soi parce que avant je peux descendre méchant kilos et là ça va, j'arrive à mieux un peu mieux gérer. J'ai bientôt terminé le traitement. Ouais, c'est pour moi savoir, t'es sûr de faire ou pas? Parce qu'il y en a pour 1 heure et demie après le trajet. Il y en a pour 1 heure et demie. Ah non, ça arrive d'être vraiment chaud. 1 heure et demie, désolé, ça arrive vraiment d'être chaud. Ah donc je pars tout seul alors. Ouais, pas de souci. Et puis une prochaine fois, merci en tout cas de ta proposition. Je garde les numéros, tu sais, voilà quoi. Ok, d'accord, pas de soucis. Bah allez. Bah, bon courage et Ouais, bien. puis essaye pas de te faire gauler quoi. Ouais, toi aussi, travaille bien. Merci.
Ah, attends, là je sais pas par contre si je peux en prendre plus. Non, du coup je dépose tout, tout le blé, toute la farine, hop, et je retire le blé complet. Voilà, là vous voyez, je perds un peu plus, mais en fait j'essaie de rester dans. Bah, je perds 9 kilos de farine quoi. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est un peu de perte. Mais bon, après j'essaie de m'habituer un peu. C'est vrai, c'est différent d'armoire, c'est un peu plus. Les menus ils sont un peu plus poussés, on va dire. Non. Pourquoi je déposerais de l'eau? Je suis malade ou moi? De déposer de la farine. Farine 10. Déposer farine 10. Déposer farine 17. Tac. Ça me reste encore. Il reste encore pas mal de farine à faire, donc. De blé à faire pour ton farine. Bah après, en soi, je vais tout vendre. Donc là, normalement, d'ici quelques temps, ça devrait être fini la farine. Après, je vais vendre. Et après, voilà. Hein. Après, j'aurais augmenté un peu mes sous et tout, quoi. Ah, c'est chaud, je perds. Vous voyez, je perds beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, j'essaie de faire du mieux pour pas avoir de perte, mais bon. Je comprends pas. J'arrive pas à simuler le rythme. D'accord. Sauf que c'est pas ça que je voulais faire. Sauf que c'était vraiment pas ça que je voulais faire. C'est ça le pire en plus. On va déposer 20. Oh, je suis en perte totale. Hein. Non. Oh purée, il commence à pleuvoir en plus. Oh putain, la drache, elle tombe un temps. Enfin, je sens cette drache. Mais plus tout dit. Mais plus tout dit, pas tout dit, plus tout dit. C'est pas prochain. C'est le temps de merde. En fait, on va se déplacer parce que le patron là, il est en train de gueuler là. Je sens bien derrière son bureau là, en train de taper une pétanque gueulante, mon gars. Ah, mais elle est violente. Bon, ça va. Hein.
Bon, je j'ai pas trop. J'ai perdu 10 kilos, mais 11. Mais bon, on va essayer de récupérer. Non. Déposer 10. Ah, je perds trop. Wow, putain, j'ai l'impression qu'il fait une tempête, mon gars. On est horrible. Je vais mettre. Oh mon gars, je reste pas. Je vais 20 minutes d'aller à faire ça. Oh mon gars, comment qu'il est drache. Oh tatatataï. J'ai perdu beaucoup, un peu plus, mais bon. Ouais, normalement, je vais me faire 8000, entre 8000 et 7000. Allez, là on va vendre, allez c'est parti, l'argent. Hop.
Cher reparti pour un tour. Je vais voler. Attends, on va mettre un peu là. On essaie de respecter un peu les limitations de vitesse et tout. Hein. Ah, je respectais le permis, respectant le code de la route. Égal pas d'accident. Eh ouais, c'est ça la vie. Pas con. Par contre, la voiture d'en face, elle roule pas très vite.
toi. Voilà. Moi je regagne des sous, hein. Voilà. Le compte il remonte, hein. On va prendre 40 par 40. Bon, ça refait 1026, c'est bon ça. On peut se permettre de refaire un peu de sous et tout là. Ça refait du bien un petit peu au compte au porte-monnaie là. Voilà. Wow. Bon, j'étais à 21 000 il y a pas si longtemps. Hein. J'ai précisé que j'ai acheté ma voiture à 21 000 21 000 dollars. Là, ça fait un repas, ça remonte un peu au niveau de l'argent. Après, on va retourner au Chandler, aller chercher sa voiture.
Ouais, l'argent alimente tes tétons là, ça fait du bien, pareil. Enfin, je gagne pas un salaire énorme, mais ça va quand même, là, c'est cool. Ça, je compte de se refaire un peu de blé là. Un peu de mal à monnaie. Bon bah voilà, on s'est du blé, hein. Fait de l'oseille. Bon, on va se faire entre 5 000 et 6 000, ouais, un peu plus que 5 000. Voilà, on est déjà un peu... Ouais. Bon bah j'ai rien dit, on va se faire un peu plus que 7 000 peut-être. J'espère dans les 8 000, un truc comme ça, hein. Ça serait cool. On déposait ça sur le compte en banque et tout, putain, ça serait génial, quoi. Ça serait cool ce fait dans les 7 000, 8 000. Laurent. Heureux. Alors, t'as fait ton action? Ouais, mais j'ai un petit souci. Ah merde. Lequel? Je suis mort. Bon bah. Courage pour recréer un perso? Non, mais pas en FP, je suis mort. J'ai repop, mais à l'hôpital en fait. Ah là c'est un petit problème. Non, Attends, je reviens de Tizops quelques instants là. bonjour. J'arrive. Je sais pas, il s'est passé une stand de ta nourriture. C'est pas lui ton jean. Il est là. Ah, attends. Oh là 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 là.
doit faire des réparations. Mais bon, pas trop dans mes moyens, je pense. Je l'ai testé et bah putain de merde, elle monte à 200 km/h quand même. Ah, sympa, sympa. Attends, juste aller dans le catalogue de minutes. Bonjour, monsieur l'agent, vous allez bien? Qui est pas souci. D'accord, monsieur 75. Putain, on m'appelle. J'arrive, on m'appelle. Monsieur? Oui. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Enfin, si vous travaillez aussi ici. Ben non, je travaille pas ici. Monsieur concessionnaire. Bonjour, j'ai une question à vous poser. Attendez, j'ai un problème pneumatique. Je vais juste. Excusez-moi, monsieur le concesse. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré toute ma tête. Alors, bonjour. Et puis, je fais un problème. Moi, j'ai une question par rapport à votre employé de la rue. C'est moi, je suis en face de vous. Ah, très bien. Vous pouvez m'expliquer pourquoi votre voiture a été garée dans, entre guillemets, je ne sais pas, dans l'herbe, dans les caractéristiques. Quelle voiture, monsieur? Ma voiture est juste là. Sultane. Non, une super noire que j'avais remis à la fourrière, il y avait le gars. Ah, je sais pas, j'ai prêté un ami pour qu'il l'arrange et malheureusement j'ai dû aller faire des affaires de Dieu. Désolé, mais il y a un braquage en cours. Désolé, il y a un braquage. D'accord, le chercheur, excusez-moi, je peux vous emprunter vite fait la MC? J'ai une intervention. Quel est le nom? Là, je sais pas, un véhicule, la M6, là, je vois personne du tout. Ouais, c'est pas à moi, c'est. Monsieur. Ah! Bah, vous voyez avec eux, peut-être qu'ils vont. Aaron! Aaron! Ouais. Il faut savoir, calme. Calme, te protège sa voiture, ouvre sa voiture. Ah, ça va bien. Ouais, trop tard, il va y aller. Bon, attends. Du coup, je te fais une petite facture. Voilà, t'as su. Ouais, je te crois qu'on peut tirer au calme. T'avais reçu? Ah, d'accord, ok. Alors, non, j'ai pas pu choisir la couleur, mais t'es venu avec moi. Ah, il a acheté ça. Domination, dominateur. Ok, bah voilà, je sais. Très bon. Je vous ai envoyé une demande d'amis sur la radio, mais je vais vous rajouter dans la radio privée. Ok, très bien. Heureux.
J'ai coupé la route sans le vouloir, excusez. Avec la cour de marathon de sa vie, dit. Alors, on va déposer les sous à la banque.
je vais aller à ma voiture là. C'est bizarre, j'ai choisi la banque. Oh, je me suis stationné comme un pied. Oh, tchao tchao. Heureusement, personne m'a vu. Bon, on va mettre 9562. On va garder ça sur soi. On va regarder le sens de 200 sur soi. Voilà. Ah, chaque fois j'ai bien putain. Un peu de. Ah. J'ai renfloué mon compte en banque. Putain, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à parler dans le chat et tout, hein, y a pas de souci.
Bon, bah, moi je vais stopper ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi, une bonne. Bah, une bonne après-midi. Plutôt une bonne soirée, excusez-moi. Oula, tout va bien. Une bonne soirée. Je vous dis bonne nuit à vous et. Bah. À vendredi soir, si possible. Ou dans ce cas-là, samedi. Donc, voilà. Je ne serai pas là la semaine, je ne serai pas. Je streamerai pas cette semaine. À moins que j'ai pas de boulot pendant la semaine, voilà. Sinon, ça se peut qu'il y ait des lives pendant la semaine, mais ça, je promets rien. Sinon, ça sera week-end prochain. Sur ce, ben, bonne soirée à vous, bonne nuit. Merci encore pour les follow. Merci à tous ceux qui viennent de se follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui se sont like sur la page Facebook et sur peut-être Twitter. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Sur ce, bonne soirée et ben, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, mais peut-être dans la semaine ou à samedi. Tchuss!